fais pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi, enfant chéri. Enfant parfait, pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne boit plus. Elle a même perdu le sourire pour toi, enfant chéri. Enfant parfait, pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne boit plus. Elle a même perdu le sourire pour toi, enfant chéri. Aucune maman ne mérite ça. Mais son enfant dans la fleur de l'âge, elle espère te retrouver. Comme tes amis qui te recherchaient, elle espérait t'embrasser et non t'enterrer, Alessandra. Elle espérait te voir réussir et non t'enterrer, Alessandra. Mais hélas, ouh, elle va pleurer encore, Alessandra. L'Afrique et le monde entier te pleure. Force à toi, maman Alessandra. Force à toi. Dans la fleur de l'âge, des bourreaux se lancent des fleurs pour attirer ces enfants innocents, pour ensuite les laisser dans le sang sans vie, aux portes de ces pauvres parents. Comment vous trouvez le sommeil face au cœur meurtri de ces mamans qui ont tout sacrifié pour voir leur enfant réussir un jour? Aucune maman ne mérite de telles douleurs. Aucune raison n'est valable pour de telles actions. Qu'est-ce que ces pauvres enfants ont commis pour mériter quitter ce monde si tôt dans de telles conditions? Existe-t-il un cœur dans votre corps au moment de poser de tels actes? Faire pleurer ces pauvres parents, est-il l'un de vos fantasmes? Je parcourais les vidéos d'Alessandra et pauvre maman, j'ai eu tout mon cœur en mille morceaux. Comme une prophétie, Alessandra, de la part de sa maman, lui demanda, ma fille, si tu meurs, qu'est-ce que je vais devenir? Alessandra répondit, mais maman, tu vas mourir. Effectivement, l'âme d'une mère vient de mourir face à cette nouvelle, cette triste, cette cruelle nouvelle. La maman ne voyait pas sa fille aller si tôt. Elle a tout misé sur son bébé. Elle a tout fait pour voir son enfant réussir un jour. C'était une fierté pour elle de voir son enfant étudier très loin, dans des grands pays. Elle se disait en son cœur, « Dis-moi ma fille, es-tu cachée quelque part bébé? S'il te plaît, montre-toi. Ta maman chérie a besoin de toi. Regarde le monde entier te cherche. S'il te plaît, montre-toi. S'il te plaît, bébé, tes vacances, c'est pour bientôt. J'aimerais encore t'accueillir à l'aéroport avec toute ta joie. S'il vous plaît, ne me ramenez pas un corps sans vie, s'il vous plaît. Répondez-moi. Avez-vous trouvé ma fille? Alessandra, 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 maman t'appelle. Alessandra, maman t'appelle. Maman et tes amis te cherchent partout, s'il te plaît. Réponds-nous. Réponds-nous. Mais hélas, les infos, la radio, la télé viennent d'annoncer qu'Alessandra a été retrouvée sans vie. De là où tu te trouves, Alessandra, sache qu'il y a du monde qui prie pour toi afin que ton âme puisse reposer en paix. T'as pas demandé cela, mais malheureusement, si tôt, tu t'en vas.
espérant que Dieu puisse consoler la maman et toute la famille. Repose-toi tranquillement, Alessandra.